Écoutez-moi. Bonsoir. Natou est là pour la troisième fois consécutive sur cette show. C'est comme une sœur pour nous. Et regardez qui on invite aujourd'hui. Hey. Une maison splendide. Comment ça, toi? Oh, y'a Fred. Ah ouais. Je suis content. Ah, je suis content. Je suis content. Ça me fait plaisir. C'est un peu agressif, c'est plaisir agressif. Sachez que on reçoit sur cette chaîne toutes nos idoles. Voilà, je vais utiliser le mot. Tous les gens qui nous ont influencés depuis toutes ces années. C'est énorme, mais putain, mais. Putain, mais les chiens de merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a renversé. Oh putain. C'est parti, si, qu'est-ce qu'il a. Pourquoi est invité ce chien? Il n'a fait aucun sketch, rien. Regarde, je vais faire un truc. Je ne vais surtout pas toucher et je regarde, je vais le laisser tout faire. Ouais. Je crois qu'on va bien s'amuser, non? On va rigoler à 17%. On va pas marrer, je pense. Bah, si on voulait être là, ce serait relou quand même. En tout cas, nous sommes ravis, Fred et Natou, évidemment, mais Natou, t'es notre coloc maintenant, c'est différent. Mais Fred Testo, c'est incroyable pour nous de te recevoir. Mais ouais, moi c'est incroyable pour moi d'être encore en vie à mon âge. J'ai quand même 187 ans. Encore un matin de gagner, je me suis dit. Mon avis, tu exagères un peu sur ton âge, mais bon, ouais, c'est pas vraiment. Hein. T'es un peu dans l'hyperbole, mais le concept d'aujourd'hui, c'est les synonymes et non pas l'hyperbole. Et d'ailleurs, je vous conseille à propos des figures de style le livre de Raymond Queneau. Pour tous ceux qui, pour le coup, ont passé le bac. Non, mais c'est intéressant. D'accord, d'accord. Ça s'appelle Exercice de style. Oh, mais vous êtes chaud. Exercice de style, Raymond Queneau, pour apprendre tout ça. Et aussi, il y a des très bonnes vidéos. Et Link the Sun et Nota Bene. Notamment. Carlito souhaite être sponsor par Raymond Queneau. Donc, si vous, Raymond Queneau, vous êtes. Oh, Gony Goubert, on dira go. Excusez-moi, mais si on est là pour apporter un petit peu de culture. Bien sûr. Je vous conseille juste de méditer sur cette phrase qui n'est pas de moi, mais d'un ami à moi qui s'appelle Jacques Prévert, que j'ai bien connu à l'époque, parce que je suis extrêmement âgé. Et qui disait, essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Pas mal. Quel est le concept, s'il te plaît, Frédéric? Eh bien, le concept, en fait, il s'agit dans un premier temps... Trop long déjà, hein. En gros, on va devoir faire deviner des chansons sans utiliser les mots des mêmes chansons. Ah dommage. Natou, à toi. Eh bien, il va falloir chanter des chansons françaises en utilisant d'autres mots, donc des synonymes. Oui, mais faut peut-être expliquer pour ceux qui comprennent. Qu'on dise que s'il y a une chanson qui n'est pas coordonnée les mots, il faut changer avec des mots qui viennent bien. Sinon, venez, on met l'intro de la une. On va mettre l'intro de la version une où on explique le concept, comme ça sera réglé. Oui, c'est simple. C'est une sorte de blind test qu'on doit faire, sauf qu'au lieu de faire deviner une chanson en la chantant tout simplement, il faut chanter la chanson sans utiliser aucun mot présent dans la susdite chanson. Exemple, si vous prenez la chanson Lundi au soleil de Feu Claude François, cela donnerait Maxence. Le premier jour de la semaine dans des conditions météorologiques agréables. Vous savez quoi? On va chacun dire des noms de légumes, celui qui n'en a plus commence. Rutabaga. Oh, courgette. Aubergine. Poivron. Pain fait. Oh, il a raté au deuxième tour. C'est Carlito qui commence, c'est parti pour le BNTC Synonyme 2, j'ai parlé trop vite et je peux pas articuler, je m'en fous. On tire dans un petit chapeau qui est le chapeau de Luffy. Fred, est-ce que tu connais One Piece? Yes, pas du tout. Mais attends, Carlito, tu n'as pas fait d'entrée dans le champ. Il faut faire toujours une entrée adéquate dans le champ. Si possible, il rentre. Oui, Carlito. Applaudissements. Bravo. Elle a l'air bonne, cette madeleine. Il l'a mangée avec le paquet. C'est une explosion. C'est validé. T'es chien. Pardon. Putain, il gratte. T'es chiant. T'es chiant. Non, mais ils entrent, ils vont envoyer. Oh, mais elle a fait rentrer ses chiens. Bon, si vous trouvez, vous dites rien, vous nous laissez faire. Oh, oui. Allez, dépêche-toi. Oui. Je suis excité de rejouer à ce jeu. Allez, dépêche-toi. Ok. Allez, la compagnie créole. Non. Non, bah là, bon, c'est un peu tôt. Ok, vous êtes prêts? Oui. J'ai sollicité l'unique satellite de la Terre. J'ai demandé à la Lune. Yeah, you got it, bro. You got it, bro. Sollicité, oh là là. Eh, mais dans tous les épisodes, on parle du satellite naturel de la Terre. C'est vrai. Ok, mais bravo. Pas mal, hein? Oh, voilà, complimentez-moi. Sympa, ouais, rigolo. Ouais. Fais le lancement du clip, vas-y. J'ai sollicité l'unique satellite de la Terre. L'étoile du système solaire n'étant pas au fait, je lui fis observer mon eczéma. Mais le satellite citait plutôt ma ficha. Ah, j'ai envie de la manger, tiens, fais voir. Oh bah non, parce que c'est pas comestible. C'est un chat. Il est complètement taré, ce mec. Tout paraît logique, j'ai essayé de le manger et il m'a croqué. Attends, mais on l'a? Je veux la revoir au ralenti. Alors bravo Natou d'avoir trouvé, bravo Carlito, c'est très beau ça. Allez les bleus. On va dans le sens des aiguilles du nez. Elle a un cadeau quand même, ou y a pas d'elle? Elle part pas avec un point cadeau. Attention, l'entrée de McFly. McFly, McFly, McFly. Oh, mais non, on le coupe. Je le connais, c'est Olivier. C'était la blague que j'avais prévue. Vous avez pas un crayon? T'as une blague en tête? Oui.
Natou nous demande de refaire une séquence. Pour un jeu de mots, ça a intérêt à être drôle. Je veux un décompte très important avec une musique dramatique, s'il vous plaît. Tu mets d'abord la plante. Attention, c'est parti. Ah mais c'est... Mais ce serait pas Olivier Mine? En fait, c'est drôle, mais ouais. Bah, tu vois. Je le fais comme un T-Rex, attention. Oh là là. Ah putain. Ah, ça doit être dur. Ah là là, elle est dure, attends. Oui, s'il a une attitude comme ça, c'est que ça doit être difficile. Ah purée. J'ai besoin de 2 secondes pour chercher les paroles. Oh, ne regardez pas là-bas. Prendre du temps, il a besoin de prendre du temps, c'est que c'est extrêmement difficile. J'ai jamais vu aussi stressé ces personnes. J'ai jamais vu comme ça. C'est bien la première fois qu'il se comporte de cette manière. Mais que va-t-il se passer dans un instant, après la pub? Il était une fois, dans un pays lointain, un homme qui n'arrivait pas à trouver sa chanson. 2 heures avant de trouver les synonymes. Et le voilà. Se renseigner sur la passion du cœur. Apprendre à aimer. Mon Dieu! Apprendre à aimer Florent Pagny. Oui. Se renseigner sur la passion du cœur. Apprendre à aimer, c'est dur. Qu'est-ce que t'avais? Oui, oui, oh oui. Là là, c'est magnifique. Ah ouais, 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 grave, c'est pas évident, hein. Par contre, le clip va être drôle. Ah bah lance tout le clip, c'est très dur. Cependant, faire le don. Offrir sans récupérer, uniquement assimiler. Prendre du level en l'or. Adorer sans patienter, adorer à tout acquérir, réassimiler le lol. Seulement pour l'acte, sans désirer le résidu. Maîtriser les bails de l'existence et se déplacer. Bravo. Tiens, bah Nathalie, à toi de jouer. Allez, Nathalie. Avant que Nathalie nous interprète sa périphrase, je tiens à vous dire, amusez-vous chez vous. Essayez de trouver les synonymes, pratiquez ce jeu. Envoyez-nous des images, des vidéos de vous en train de vous divertir à l'aide de ce jeu que nous avons inventé. Il a entièrement raison. Attention, entrée de Natou, un peu originale, elle doit trouver quelque chose. Nathalie, 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 oui Nathalie. Nathalie. Mais attendez, c'est pas Nathalie ça. Mais non, c'est un chien. Et oh, fait c'est le lait. Mais... C'est voilà, des petits c'est tétons, tout. C'est ça? Ouais, c'est des petits. Moi, ça m'a toujours c'est marrant parce que. Alors, elle en a 7. Il en manque un. Et normalement, il y en a 8, c'est ça? Bah, c'est symétrique normalement. Il lui manque un téton. Oh, oh un petit handicap spécial. Qui nous touche. Comme moi. Alors. Oh, waouh. Dis donc, Nathalie, tu ferais pas une pub pour Audi où il manquerait un anneau à ta ceinture? C'est vrai. C'est vrai. Oh ouais, elle cherche un sponsor. Elle a dû leur téléphoner avant en disant je mets 2 anneaux. À vous mettre le troisième. À vous mettre le troisième. Une valeur de 150 000 euros. Ah, mais putain, tu te spoil tout là. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Choisis. Non, mais tu. C'est bon, j'ai trouvé un truc au hasard. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas du tout triché. Oh, oui, c'est quelqu'un. Bonjour. Tu l'as ou pas? C'est le temps de la réflexion, Psycup, extrait. Navré pour la nuit d'avant aujourd'hui. Désolé pour hier, trio. Oui. Ah, attention. Hey, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'amitié. C'est de l'amitié. Ah. Oui. Désolé pour hier soir de l'avoir fini à l'envers. D'avoir terminé dans le sens contraire à la norme. Oh oui. Gardons-le pour le clip c'est maintenant. Navré pour la nuit dernière. Faites mis dans une position non standard. Visage dans le fessier, le fessier dans la rue. Les reines navrées pour la nuit dernière. Navré pour la nuit dernière. Faites mis dans une position non standard. Je le certifie, le jour prochain je cesse de m'abreuver. Il s'agissait de l'ultime fois. C'est à toi! Ouais! Prêt à toi de jouer! Une entrée hilarante! Une entrée, c'est pas hilarant, c'est malaisant! C'est gênant, c'est malaisant comme disent les jeunes, ce mot n'existe pas, vous me saoulez. Attention, entrée de Fred! Bonjour, salut, c'est Fred. Je viens pour il jouer. Il regarde une caméra qui n'existe pas! Vas-tu... Mais c'est ça, c'était ma vanne! Ah, oh, pardon! Bah oui, c'est pas la caméra là! C'est des mecs qui croient que les caméras sont tout le temps en face! Bah, elle est marrante cette entrée de chant! Si, je l'ai pas. Bonjour à tous, c'est Fred, je viens. Voilà. Allez, ok Fred, là. Prends le chapiteau, prends, attrape le chapeau. Roulement de tambour. Là tu choisis clairement, t'as choisi. J'ai pas du tout choisi. Hé hey. Vous avez entendu parler là?
Moi aussi je peux crier, j'ai passé des années à gueuler, ok? Vous le savez très bien ce que ça fait. Ok, c'est parfait. Là je le mets où après le papier? On m'a pas dit la règle. Vous donnez des règles, y'a pas de règles. Extrêmement épuisant. Ça va être juste une phrase, hein, attention. Ah, attention, hein. C'est ça qu'on aime. Les chefs de la planète. Les rois du monde. Ouais. Ouais. Et les rois du monde. Et les rois du monde. C'est un stade. Mais t'es on fire, toi. Quoi, elle les a tous. J'adore les jeux. Excitation. Elle a l'air regardée. La folie. Eh bien, merci à tous. Les leaders de la monarchie. N'importe quoi. Leur relation. On peut te faire sortir 40 minutes. En ce moment, ouais, on travaille ensemble. Oui, parce qu'on est ensemble. C'est extrêmement tendu, le tournage. Qu'est-ce que vous tournez? On pourrait le dire à la caméra, non? On tourne une série. Une série. Ah, Sam. Une série, ouais, pour la chaîne numéro 1, sur le monde de l'école, adaptée d'une série danoise qui s'appelle Sam. Ouais. Et producteur également. Fred, je te laisse lancer le clip sur fond vert. Eh bien, tout de suite, c'est le clip sur fond vert. Ah, c'est là? D'accord. Nous nous copulons, nous existons au quotidien de façon nocturne. Quoi se positionner sur le globe s'il s'agit d'exister sur les rotules? Sur les rotules. Sur les rotules. Ensemble! Sur les rotules. Les rotules. Sur les rotules. Sur les rotules. Sur les rotules. À vous! Ah, t'as pas fait d'entrée? Il y a plus d'entrée. Il y a plus d'entrée. Ouais, on arrête les entrées. Moi, je ferai quand même des entrées. Ouais, mais enfin, il y a... Mec, alors... Quand je vais au restaurant, je prends toujours une entrée. Il faut savoir que c'est notre ami Léo Le Pérave qui a défini les paroles et les chansons que nous ne connaissons pas, bien évidemment. Ouais. Attention, ça va aller très vite, soyez bons, mesdames et messieurs. Laisse-nous un peu une chance. Ouais. Non. Nan nan nan, joli bye bye, joli bye bye. Tant mieux si vous galérez. Nan 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 nan. Nan 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 nan. Non, 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 joli bye bye, joli. Mais let's show! Mais let's show! Mais let's show! Mais let's show! Mais oui! Et putain, pourquoi on a pas trouvé? Mais la ciao, mais la ciao, ciao, ciao! C'est la version Metro Game! Excusez-moi! Comment elle crie! Je pense que le pirate va bien jouer le coup, il a pris la version Metro Games. Jadju, Vita, ils sont tellement sur ce feat. Je ne sais pas qui sont-ils. Ils sont une centaine. D'après des études, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un bureau d'études. Mais attendez, je lance le clip! Le clip! Tu m'as bien viscère, je guette ton comeback. Oh joli bye bye, joli bye bye, joli bye 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 bye. Je ne fais que brailler, je patiente continuellement que tu redébarques, oh mon poussin. Okay. Allez McFly. Mais comment il va faire si c'est lui qui fait le son? Il joue un ingénieur du son, il a... Ah oui. Mais t'es complètement perché. Mais non mais excusez-moi, j'adore ton humour. Silence s'il vous plaît plateau. C'est mon premier taf, je suis un peu... Belle interprétation, ouais. Hop, on a la perche dans le cadre, hein, par contre. Est-ce pardon, qu'on va pardon, la faire. Est-ce que cet ingénieur son un peu anxieux a un prénom? Yik. Putain, il a fait aucun effort. Y-C-K. Yik. Franchement, c'est une des entrées de ces 10 dernières années les plus hilarantes que je n'ai jamais vues. J'arrête ok, comment je vais attraper cette fois-ci? Ah oui, je vais attraper par tapage en dessous du chapiteau. Un tapage là, de chapiteau. Je tape et j'attrape en dessous, ok? C'est pas la vraie Natou, j'en étais sûr. Enlève ton masque. C'est pas toi la vraie Natou. Enlève ton masque. C'était Roselyne Bachelot. Ah. Je tape en dessous et j'attrape au-dessus, ok? Vous êtes prêts pour ça? Oui. Oh non, mais mec, le bordel. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais n'empêche que j'ai attrapé. Oui. Oh non, j'en vois. Non, mais j'en vois d'ici. Mais ne regardez pas. Il suffit de parler. Mais non, mais c'est fou. Moi, je vois pas de près. Par contre, je vois à 900 mètres. Tu vois là-bas, c'est un A340 d'Air. Qui pilote aujourd'hui? D'Air France. Ouais, c'est Mathieu qui pilote. Tu vois qu'il atterrit sur Roissy. Tu vois là, je vois. Il a l'air stressé, il souffle. C'est ça. Nous allons nous apprécier sous une boule de gaz. J'y vais, Montagnier. Oui. Sous une boule de gaz incandescente dans l'espace ou sous un coussin. Oh. Ah ouais, ça. Ça regardez, j'aimerais... Il y a 5 tours, regardez au ralenti.
Ouais, je peux lancer le clip de façon merdique. Oublié, ouais, enfin, le problème, c'est ça. Un peu non. Dynamique, peut-être. Un peu dynamique, ok. Ouais. Et tout de suite, le clip. Ah, tu fais double. Ah oui, oh, j'ai fait un double take du regard. Double take. On va faire un clin d'œil. Ouais. On pourra tous faire le double take. C'est vraiment le patron du double take de caméra. Le champion du double take, c'est Alain Chabat. C'est le meilleur du monde. C'est vrai. Ah oui. Nous allons nous apprécier sur une boule de gaz dans l'espace ou sur un coussin au bout d'un wagon ou dans des combles anciens. Je souhaite dévoiler ton faciès dans lequel l'affect a pris racine. C'est bon, on a ce qu'il faut. Allez bien, oh putain le poids. Il est pas comme ça. Non. Anatou. Allez Nathalie. Anatou. C'était bien. La joueuse qui souffre, c'est génial. Ouais. J'ai envie d'écrire un film sur ce personnage qui joue du xylophone et qui déteste cet instrument. Surtout du xylophone comme ça. Que ça. Comme si elle coupait des tranches de jambon. Pendant que Nathalie se prépare, t'as quelque chose à dire aux beaucoup de gens qui nous regardent? J'ai envie de dire aux gens qui nous regardent que vous avez fait le bon choix. Franchement, c'est la chaîne où on se lève le matin et on se dit, putain, encore une belle journée. Allez Nathalie, et nous, on se drogue à la vie, voilà. C'est ça, la chaîne des deux. J'aime à chaque fois qu'il crie. Ma passion, c'est de crier. Je suis très nerveux, j'ai besoin de crier à n'importe quel moment de la journée. Donc là, comme moi d'ailleurs. J'ai rencontré des gens qui ont la même maladie que moi, la criite. Le besoin de s'extérioriser, car problème personnel ou autre, ou simplement la joie de vivre, et ça fait du bien! D'ailleurs, tous devant votre écran, que vous soyez dans le bus ou chez vous, vous criez maintenant 3, 2, 1. 1, 2, 3, je crie oui à la vie! Oui à la vie! 1, 2, 3, je crie oui, je suis! 1, 2, 3, je crie oui! 1, 2, 3, je crie oui à la vie! Oui à la vie! Bon, ça va être très simple. C'est il s'agit d'un tube très récent. J'ai un test pour nous. Venez, on dit la réponse sans crier pour voir. Eh oui, pourquoi ça va être pas. Très dur. Est-ce que vous pouvez le dire aussi en inspirant au lieu d'expirer? Okay. Vous faites par exemple le lundi au soleil. En inspirant, ok. Très simple. Il s'agit de la bringue excessive. Ah oui, oui, oui. J'ai pas travaillé là-dessus parce que je sais pas les paroles. Ah mais oui, il s'agit de la bringue excessive. C'est le petit mec qui s'habille un peu bizarre là. Le mec un peu... Il dit de préto. Oui. Le mec qui a dans son. La bringue excessive. C'est la tête de trop. La tête de trop. Oui. Bravo Nathalie. Oh, non, c'est bien, c'est bien. Et tout de suite le clip en adéquation avec la théorie pratiquée. Il s'agit de la bringue excessive. Effectué, parvenant jusqu'à la débandade. Il s'agit de la drogue excessive. Visionne-moi, je diffuse des lamelles brillantes et parviens à l'anarchie. Ah, tu vas bien, Eddie? Ah, t'as l'air d'aller super mal. Non, ça va pas bien. Oui, non, bah oui, on va bien, on va en parler. J'ai raté ma coupe de cheveux. En fait. Oui, on va prendre un petit Doliprane, on va en parler. J'entends un troubadour. Merci. Attention, le chapeau de la joie de vivre. Il y a Fred qui est sur notre chaîne, je sais pas quoi. De joie. Attention, je choisis une petite chanson. Oh là là, ma chanson préférée, putain. Oh, comme bonheur. Quoi, il n'y a pas de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Moi non plus. Tiens, donne voilà. Le micro, donne le micro. C'est de la synchronicité, c'est des choses qui se mélangent, qui s'ajoutent, qui s'agitent. Tu sauras plus que j'existe. Tu m'oublieras, la Rousseau. Ouais, c'est ça. Oh là là, mais Natou, tu sauras plus que j'existe, mais tu viens. Natou est incroyable. Je suis choqué. Mettez un truc. C'est un dwerk avec le dos. Mais oui, mais non, c'est formellement interdit. Mais femme, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est fou. En 2050, on a pas le droit de faire ça. Laissez-moi twerker. Non, twerk avec le dos. Je n'avais également. Ça n'avait pas. Regarde ce truc. Mais c'est, elle est folle, elle va se faire une élongation du... Je me permets, c'est compliqué pour moi de oui, allez-y. J'aurais dit, tu m'omettras. Tu m'omettras. C'est pas mal aussi. Tu m'omettras. Ouais. Tu m'omettras, elle est bien. Je parle pour le clip fond vert pour à venir. Pour le clip, c'est bien. Tu omettras ces journées, cette période, quand elle est innée, notre duo, cet éveil à l'aurore,
tes biceps en roulant ma gorge et le coït que nous pratiquions dans des endroits inadéquats. Carlito, je suis le Kobe Bryant de Bois-Colombes. Attends, le bruit de Max, t'as entendu le cri? Ouh! J'espère qu'on l'a bien, je voudrais qu'on le remette. Nato est choqué! Mais tu t'es pas blessé? Vous savez que d'ailleurs, en primaire, à l'école Paul Berbet de Bois-Colombes, une fois je suis. Je suis tombé, tu sais? Bam! Et je suis tombé les pectoraux, les premiers contre le sol. Enfin, les pectoraux, le torse. Les os, tu veux dire, les os contre le sol. Voilà. Et j'arrivais plus à respirer. Et tout le monde se moquait de moi. Tout le monde rigolait, bah oui. Et vous savez ce que j'en ai retenu? Et bah pour la peine, bah je m'en foutrais quand je tomberais, je m'en foutrais du regard des gens. Et depuis, on va se prendre des poteaux dans la gueule et ça fait des millions de vues sur internet. Extrait. Oh, Patrick Dempsey. Oh, roulant McDonald's. Oh, ch'ti. Ah, wow, wow. Putain, j'ai eu chaud. Ah. Ok. Il a tiré une nouvelle chanson. Oh oui, elle est pas mal celle-là. Oh non, merde. Non, pas bien, attends. Wow, merde. Non. Tu vas chier de la musique. Regardez l'attention. Natou, laisse-nous une chance. Non. Aznavour, je pense. Ça sent la Aznavour. Il prend les micros comme ça. Ou Marcel Pagnol, c'était les deux qui faisaient ça. Ou un Mérou. Mais bon, c'est sous l'eau, après tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la musique de poisson. Je relâche un gros big up à Léo Le Pérave qui a trouvé toutes ces chansons dont nous ne sommes pas au courant, sinon le principe n'aurait aucun intérêt, on n'est pas dans la triche là. On est des tricheurs, nous. On n'est pas des tricheurs. Ah oui, je connais, je vois. Très bien. Oui, d'accord, c'est bon, pas besoin de la faire. Ok, c'est bon, ça y est. Allez, on passe à la prochaine. C'est bon, merci. Okay. Allez. Tu vois comme quoi c'est de plus en plus facile. C'est bon. Dans l'optique que tu m'affectionnes continuellement. Pourquoi tu m'aimes encore, c'est l'illusion? Elle est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est impossible, c'est-à-dire que mon cerveau n'a même pas assimilé. Dans l'optique que tu m'affectionnes. Regarde! Elle fait un petit AVC quand elle gagne, regarde! Elle a fait comme ça, vraiment. Ouais, c'est une drôle de tête, hein. Putain, mais elle est trop forte! Dans l'optique que tu m'affectionnes continuellement. Elle est géniale. Bravo, ouais. Eh, j'ai trop hâte de la voir en clip. Je partirai prendre ton organe creux si tu le bouges autre part. Même si dans tes chorés certains gesticulent des plombes, j'irai pécho ton principe vital. Dans les fraîcheurs, dans les braises, je ferai des sacrilèges. Dans l'optique que tu m'affectionnes continuellement. Dans l'optique que tu m'affectionnes continuellement. Mac Fly, il est vraiment super sympa. Na. Yes. Moi, j'aime bien. Hein. Comment je vais attraper ça de façon originale? Et pourquoi pas l'originalité? Ça serait tout simplement de piocher dans le chapeau. Ah. J'ai fait exactement ça. Ça va aller très très vite, les gars. Vous êtes prêts? La tour, regarde comme elle est contente. Nous nous étions fixés une date dans une décennie. Patrick Bruel, place des grands hommes. Oui. Yes. Allez, il a été plus rapide. J'suis... Tu peux le refaire pour la fin. Ouais, nous étions fixés une date dans une décennie. Dans une décade. C'est trop bien. Okay, t'as vu que j'ai... T'as été plus rapide. Couper l'herbe sous ton pied. Et ça, en plus, on peut la chanter tous ensemble dans le clip. Oui. Nous nous étions fixés une date dans une décennie. Journée identique, horaire similaire, aspect semblable. Nous analyserons lorsque nous aurons la trentaine. Positionnés au-dessus des escaliers de l'esplanade des gigantesques messieurs. Nathalie. Bonsoir, souscrivez à un abonnement. Un peu dégradant. Oh non, je suis désolée, non, je voulais pas. Allons-y, c'est cool. Excellent, j'aime bien. Alors. Elle est contente, ouais. Pourquoi tu rigoles? Elle est contente de tout. Ça te fait rire de faire ce jeu? Ça te fait marrer, franchement? Non, je pense que c'est tout sérieux. Mais pourquoi elle rigole? Non, elle joue, elle joue. Elle va pas rigoler. Je voulais pas prendre de plaisir.
suis désolé. Ouais. Ah, pardon, ok, je croyais que tu rigolais. Non. Parce que, genre, on peut rigoler. Ouais, quoi. Non, je prends ça très au sérieux, je suis désolé. C'est pas. C'est Fred. Insultant, ouais, je trouve. Fred, ça va? Non? Ça va? Ouais, ça va. Léo de Seine, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. Léo de Seine, Niska, c'est la coupe non, de la Champions League. MHD, MHD. T'as dit quoi comme phrase? Les Suns, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. Les Suns, c'est le. Allez, vas-y. Elle a la référence Champions League. Parce que j'adore le foot. Allez, les Bleus. C'était quoi les paroles initiales? 9-1, c'est la Champions League. 9-2, c'est la Champions League. T'as dit Champions League? Oui, j'arrive pas à le dire, même. 9-1, c'est la Champions League. Non, c'est 9-1, c'est la Champions League. Non, mais j'y arrive pas. Ouais, mais vous vous moquez. C'est dingue comme réflexe. Non. C'est incroyable, j'y arrive pas à dire et tu te foutais de ma gueule. Putain, mais ça me saoule ça. Arrête. Ça me saoule. J'arrive pas à prononcer, c'est comme. C'est ça qu'on montre aux gens. Reviens là. Tu vas le dire, tu vas prendre le micro et tu vas dire correctement. Voilà, dis-le. Mais, et si j'y arrive pas, vous allez vous moquer? Non, pas du tout, promis. C'est pas l'exemple qu'on doit donner. Non, on donne pas cet exemple. On rigole pas. Tu regardes droit à la caméra et tu dis Champions League. 9-1, c'est la Champions League. Encore. Encore. 9-1, c'est la Champions League. Voilà, bravo, c'est bien. On retombe sur ses pattes, c'est bien. C'est étiqué. Et voici tout de suite le clip relié en fait au procédé de... Paris, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. Les Suns, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. Haute-Seine, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. Saint-Denis, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. Val-de-Marne, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. Val-d'Oise, c'est la coupe des vainqueurs de coupe. En fait, c'est marrant parce que ça n'a aucun sens ce que j'ai fait, mais moi, dans ma tête, j'avais imaginé, parce que moi, je pense souvent dans ma tête sans le dire aux autres, et du coup, vous avez certainement un peu cette maladie aussi, et du coup, je m'imaginais, moi, comme si c'était ma tête qui faisait ça, donc c'était super marrant. Là, imaginez, c'est ma tête, bonjour, qui revient, mais ma tête toute seule... Écoute-moi bien, Arthur voilà. Peut incruster ta tête, tu peux le refaire, il peut incruster ta tête dans la balle, si ça tu veux. Ça peut te faire plaisir. C'est vrai? Ouais, on peut tomber. Regarde. Ah ouais, mais là, Arthur, ok. Est-ce que la balle peut bonjour. Dire bon... Oui, pardon. Bonjour. Bonjour, c'est Fred. Bonjour, c'est Fred. Bonjour, c'est Fred. Arthur, est-ce que tu peux nous mettre ta réaction à cette idée de Carlito? Écoute-moi bien. Arthur voilà. Peut incruster ta tête. Tu peux le refaire. Il peut incruster ta tête dans la balle, si ça tu peut veux. C'est vrai? Ouais. On peut tomber. Regarde. Ah ouais, mais là, Arthur. Okay. Bonjour à tous et bienvenue à la discothèque. Je connais pas. Ah si, ça je connais. Okay. Évidemment. L'éventail me stresse un peu et en même temps, je le comprends, donc je sais pas comment réagir. Voilà. Et bah, accepte. Mets ton bonnet qui recouvre toute ta tête. Mets ton bonnet qui recouvre toute ta tête. Mets ton bonnet qui recouvre toute ta tête. Mets ton couvre-chef, mets ton couvre-chef. Sinon prêtre frais, tu frissonneras, t'auras le chum. Mets ton couvre-chef. Le front canard, les béquilles souhaitent. Mets ton couvre-chef. Merci à tous pour ce blind test des synonymes de... La dernière était particulièrement salée. On a envie d'avoir l'album même presque. On aimerait avoir l'album. Commentaire, regardez. Avez-vous envie d'avoir l'album? Oui, j'ai envie d'avoir l'album. Fred, c'était un bonheur. Ah, c'est un plaisir partagé. Merci, regarde, je te touche la peau. Merci, on se touche tous, regardez. Les ondes positives. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Squeezie la première fois qu'on l'a reçu en vidéo. Ouais. Avec Megia Elioun, Gad ou toi. On vous découvre en fait. Putain. Pendant un tournage. Et donc c'est génial cette sensation. C'est pas fou, moi, j'ai le malheur de tourner avec lui en ce moment et je le connaissais un peu d'avant. Mais vous deux ça va? Et moi j'ai la chance de tourner avec Natou en ce moment. C'est très agréable. C'était donc le blind test des synonymes 2, on espère que vous avez kiffé. Quelle est la chanson qui vous a le plus procuré du rire? Moi je crois que c'est Bella Ciao. On vous aime très fort, merci beaucoup, je ne sais plus quoi dire, je suis dans l'émotion, le rire, la satisfaction. Bah en fait on peut dire, on a fait quand même une autre saison entière quasiment avec vous, c'est fou ce que vous nous apportez, on a la chance de recevoir des gens qu'on adore et qu'on apprécie et dont on est fan depuis des années, donc c'est un kiff immense, sidéral, interstellar. Très bon film. Fred, est-ce que tu connais notre gimmick de fin? Pas du tout. Est-ce que tu peux l'inventer? Oui. Oui. Ok. C'est bon, c'est bon. On le refait tous ensemble. On le refait tous ensemble du coup, 3, 4. Oui.